Les parapluies magiques, Wiko Tsuno, Kamishibai Édition. Aujourd'hui, c'est dimanche. Avec ma famille, nous partons en pique-nique. Voilà qu'il commence à pleuvoir. Oh là là, il pleut de plus en plus fort. Vite, vite, courons nous abriter sous cet arbre. Tiens, un magasin de parapluies. Le marchand, un gros bonhomme à moustache avec un joli chapeau rouge, nous reçoit chaleureusement. Bonjour, regardez, j'ai plusieurs sortes de parapluies et je suis à votre service. Donnez-nous ces quatre parapluies, s'il vous plaît, dit papa. Maman a ouvert son parapluie en premier. Et voilà que des milliers de fleurs apparaissent. Que c'est beau! Papa ouvre aussi son parapluie. Et hop! Tiens, des poissons et plein d'autres animaux marins nagent dans le parapluie. Qu'est-ce qui peut se cacher dans mon parapluie? C'est à ma sœur d'ouvrir le sien. Les oiseaux chantent à tue-tête dans toute la forêt. Et dans le mien, qu'est-ce qu'il y a? J'ouvre enfin mon parapluie. Des milliers d'étoiles. Un ciel d'étoiles qui explose. Du coup, le pique-nique sous la pluie devient bien moins triste. Soudain, une bourrasque. Ouah! Tous les parapluies se retournent. Les fleurs, la mer, la forêt, les étoiles se répandent sans fin dans le ciel. Comme par magie, toute la famille se retrouve enveloppée par ce décor féerique. Comme il fait beau! Quel déjeuner délicieux! Il commence à faire nuit. Il est l'heure de rentrer à la maison. Mais n'oublions pas nos parapluies magiques. Aujourd'hui, c'était vraiment un très bon dimanche.